Assemblée nationale et développement. Le point de vue de Freddy Mazoisi. L'Assemblée nationale a pu travailler durant l'année dernière, malgré les problèmes qui ont affecté l'entente entre l'exécutif et elle. 36 lois relatives au développement national ont été adoptées, selon le rapport du vice-président de l'Assemblée nationale pour Antslanen, Freddy Mazoisi. Il estime que les travaux effectués par l'Assemblée nationale auront des impacts sur l'économie malgache pour cette nouvelle année 2016. Elle les détaille avec Freddy Mazoisi. Pour 2016, bon, le décor a été planté pour, en 2015, notamment à travers la loi sur le partenariat public-privé. Et il faut noter aussi ce fameux retour progressif de la confiance des partenaires techniques et financiers. Je pense que à travers cela, on va donc avoir des perspectives en termes de mise en place des infrastructures, que ce soit à travers les fonds du 11e Fed ou à travers les emprunts contractés auprès de la Banque africaine du développement, du Fonds africain pour le développement, de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique. Tout cela, il faut qu'il y ait un début maintenant de concrétisation et de mise en œuvre au niveau de chaque région du pays. Cela ne peut que contribuer à avoir une meilleure stabilité macroéconomique, notamment au niveau du taux de change, hein, au niveau de la force de l'ariar. Mais cela, à mon sens également, contribuera à obtenir dans ce pays donc une stabilité politique et sociale.